Parti. Allez, c'est parti. Bon, là on est avec le Hyper 9 en 4S. On a mis les amortos GPM parce que d'un fond on a pété les tiges. On va ranger un peu tout ça. Là pour l'instant il est en rade, j'ai un problème avec la boîte. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Ah bon, c'est quoi? RC Patapouf. Comment? RC Patapouf. RC Patapouf. Patapouf. On ne sait pas qu'est-ce que ça va durer les amortos GPM là. C'est autre chose que le ça, mais déjà rentré. Parce qu'avec les gros pneus, ça c'était. On va voir qu'est-ce que ça donne si on va péter les tiges ou pas. Ah, c'est quoi ça? Ouf, ouf. Ah non, ça va, j'ai juste déclipsé un. C'est marrant ça. J'ai réussi à déclipser un cardan. Bon bah on va le reclipser. Ah, j'ai déboîté un cardan. Première fois que ça m'arrive ça. Donc on va juste vite le reboîter. Moi j'ai juste déboîté un cardan. Encore déjà? Bah oui, mais c'est la première fois que ça m'arrive, c'est marrant ça. Je viens de déboîter un cardan, c'est la première fois que ça m'arrive, ça c'est marrant. Elle est où la caisse? Elle est rangée. Mais attends, mais on a besoin. On a juste deux vis à enlever. Tu fermes le coffre? Ok. Il est où le cliquet? De quoi? Sur l'aileron, tu les as mis. C'est à moi ça sûrement. Ouais parce qu'ils vont. Ouais c'est à moi. Non, c'est pas lui. J'ai cru que j'avais pété le cardan, non, il s'est juste déboîté. Allez, il est de retour. Non, il va là. Et bah tu le feras. On va le faire à ta place. Allez, c'est réparé. Non, bah c'est marrant que ça m'arrive en début de run ce genre. Attends Pierre, j'ai ma. Bah la dernière fois, c'est celui qui a tourné toute l'après-midi ici. Ah ouais. Donc il est increvable. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai dû casser un triangle et une tige d'amortisseur. Un an. Tu les as changés, tes amortisseurs? Bah oui, c'est les amortisseurs, c'est pas ceux d'origine. Parce que justement, il y a une tige qui a pété, du coup j'ai mis d'autres. Ah. Je vais voir ce que ça donne aujourd'hui. Que à l'arrière, c'est d'origine? De quoi? Que à l'arrière? Non, non, c'est les mêmes qu'à l'avant, mais avec des ressorts différents. Ah. Bah, Timothée, le coffre il est ouvert? Ouais. Tiens. C'est bon. Elle survire un peu, je trouve. Alors moi, cette accélération.
Non, il n'y a rien de cassé pour l'instant. Je vais quand même voir le renfort parce que le Sylvateur il s'en va. Et j'ai pas. Si, si, c'est. Putain, je suis con, j'ai pas emmené de colle pour mettre celui-là. C'est le plus loin de toi. Non, j'ai pas emmené de colle, c'est dommage. Bon, bah, faut que je fasse attention parce qu'il va se barrer sinon le Varateur. C'est chaud là. RC Patapouf. Quand même remettre le Varateur parce qu'à chaque fois il va se décaler du sillon. Ah non, ça va pour l'instant. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais là. Non, ça a l'air d'aller pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a qu'à péter? Ah non, ça c'est juste d'éclipser. Ça va. Ça va, c'est que d'éclipser, tu viens de dire. Et j'ai Varateur qui s'enlève. Je sais pas, ça sent le roussi, je trouve, dedans. Alors, je pense que... Là, ouais, regardez, j'ai mes condos qui, les câbles, ils ont commencé à se faire manger par le cerveau. Et qu'est-ce qu'il y a qui fait que la transmission est bloquée? Ouh là là, regardez-moi ce moteur. Bon, on va arrêter la session parce que regardez. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir. Regardez le moteur. L'arrière, il s'en va totalement. Ouh là 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 là. Bon, on va arrêter la session. Et il commence à être chaud. On va arrêter la session, puis on va voir pour enlever le moteur, voir ce qu'il a, parce que là c'est chaud. Ah bah salut les gars, c'est la fin de la session. Je sais pas si j'ai cru mon moteur, bon, ça me fait chier. Regardez. Ah, tu m'as mis en 4S? Non, t'es en 3S toi. Ah bah.